Bonjour, je suis Agathe Jolivet, je suis comédienne, metteur en scène et autrice. J'ai fait une école de théâtre dès que je suis sortie de mon bac, qui s'appelle Acting International, donc c'était à l'époque sous la direction de Robert Cordier. Et à côté et un petit peu après, je me suis formée aussi en training avec Jean-Philippe Daguerre. Mais je dois avouer que là où j'ai le plus appris, c'est en sortant de tout ça et en bossant sur scène, sur le plateau, j'ai jamais autant appris. Alors, je dirais que mon style est plutôt comédie, enfin même complètement. J'ai commencé en fait la comédie pendant le training avec du boulevard à l'ancienne, donc Feydeau, Courteline. Et là, je me suis dit, ah, c'est trop bien. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de grands boulevards un peu plus modernes, beaucoup de café-théâtre. Et ça m'a. C'est tellement un exercice précis, la comédie. Moi, ça m'a hyper plu. Je peux proposer, pareil, ce dont je parlais, Feydeau, Courteline, ou alors des choses beaucoup plus modernes, faire un petit mash-up, je sais pas, de Weber, de la troupe du Splendide. Voilà, c'est des choses qui m'amusent et que j'espère transmettre. Ce que j'aime bien faire dans les cours, c'est d'abord apprendre à se connaître en faisant un peu d'impro. Du training d'impro, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux déjà pour apprendre à se connaître les uns les autres, que le groupe apprenne à communiquer ensemble. Et c'est assez dingue l'écoute que ça favorise. Et puis ensuite, se concentrer aussi sur le texte, tout ce que ça implique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire derrière, le travail sur le personnage, qu'est-ce qu'on lui apporte physiquement dans la voix. Tout ça fait d'essayer de travailler tout ça en ensemble pour donner un super spectacle au bout. Venez. Venez, on va bien se marrer, je pense, ça va être très chouette. Je suis hyper heureuse de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et de créer vraiment, c'est ça, cette atmosphère de bienveillance, de groupe, de troupe. J'adore les troupes, donc venez, on fera une super troupe.